Donc le projet ADMM, c'est un ensemble de groupes locaux, des CIVAM, mais aussi des Ardéar, en tout cas des agriculteurs, des paysans et des animateurs, qui, à l'échelle du Massif central, cherchent à faire évoluer leur savoir-faire et leurs pratiques dans leurs fermes vers une agriculture qui soit plus viable d'un point de vue économique, mais aussi dans son rapport au travail, qui ait plus de sens pour nous agriculteurs, dans son rapport au territoire, dans le rapport aux animaux, dans le rapport à la qualité des produits. En bref, ce qu'on cherche, c'est une agriculture qui soit plus durable et où la montagne, ça ne soit pas une contrainte, comme bien souvent on peut l'entendre, mais un contexte, et un contexte qui est positif par de nombreux aspects. Donc je tiens aujourd'hui ici à remercier l'ensemble des personnes qui sont présentes, le public, les agriculteurs qui vont venir témoigner, les animateurs qui les accompagnent, nos partenaires. Donc on a ici un représentant du CGET, mais il y a les régions aussi qui suivent ce projet-là, les DRAF. On a aussi la présence ici de Xavier Coqui, qui suit les projets CIVAM depuis un certain nombre d'années, plus dans l'ouest de la France, et qui va nous accompagner au sein de cette journée. L'idée aujourd'hui, c'est de présenter les 2 dernières années d'activité, mais ces 2 ans, ça prend place dans un projet qui existe depuis 7 ans, auquel participent des groupes locaux qui travaillent sur l'agriculture depuis des années auparavant. Les actions qu'on mène dans nos groupes, dans nos fermes, se font forcément dans le temps long. Et c'est pour ça qu'on a besoin d'un soutien qui soit clair et durable de la part de nos partenaires. C'est le cas de l'État, c'est le cas aussi des régions, et c'est aujourd'hui important que les régions continuent à poursuivre leur accompagnement de ce projet et d'autres projets que portent les CIVAM. Parce que le Massif central n'est pas un confin dans ce nouveau découpage régional, mais bien un territoire vivant. Et il est nécessaire que ne soient pas mis en péril des structures, des salariés qui sont formés, qui sont présents sur le terrain, mais aussi de ne pas mettre en péril des fermes qui sont en cours d'évolution parce qu'elles participent dans ces associations et que tous ensemble, on cherche à construire, on travaille à une tentative de construire une agriculture qui répond aux enjeux d'aujourd'hui. Et c'est ce qu'on va voir aujourd'hui à travers toutes les thématiques qu'on va balayer ce jour et qui ne sont pas celles dont on aurait parlé il y a 2 ans ou il y a 5 ans parce que le travail de nos associations sont toujours bien pris dans une actualité qui se pose à nos métiers d'agriculteurs. Donc cette agriculture dont on va présenter quelques aspects, se veut durable, ancrée dans les territoires. Et cette agriculture, on la partage à l'échelle d'ADMM, mais on la partage aussi à l'échelle nationale, au sein du réseau CIVAM, avec un ensemble de réflexions au sein de ce qu'on appelle les systèmes de production économes et autonomes, qui existent donc à l'échelle du Massif central, mais aussi dans l'Ouest, qui existent aussi en Méditerranée. On vous présentera un peu mieux le fonctionnement du réseau par la suite. Voilà pour cette courte introduction.